avant le lever du soleil. Quant aux yeux, ils n'apportent encore qu'un pressentiment de l'aurore, qu'il blanchit plus qu'il n'adore les champs émus de l'an réveil. Au jour qui commence de croître, la vitre luit sous les barreaux, et les colonnettes du cloître sentent l'ombre des passereaux. Le laurier, la rose trémière, qui fleurissent autour du puits, se redresse vers la lumière, en distillant les pleurs des nuits, et le jardin fait sa prière. C'est l'heure où, bénissant le jour, dont sa paupière se colore, frappe Béatrice sans le retour, des paradis vers l'aurore. Et voici qu'un long trait de feu, violet, jaune, rouge et bleu, par la grille de la cellule, vient nacrer la pâleur du mur, comme une vive libellule qui se pose sur un lit pur. Et le moine ouvrant les prunelles, avec ce rayon pour pinceau, fait les anges brillants et frêles qui forment leurs fines ailes sur la Vierge un splendide arceau.